des tombes profanées, des morts qu'on déterre et qu'on installe dans des maisons témoins, à chaque fois, une femme, un homme, une adolescente, qui ne se connaissaient pas et qui forment une nouvelle famille. Et au milieu de ces corps, on découvre une photo, la vôtre. Vous avez une idée de l'identité de ceux qui pourraient vouloir faire ce genre de choses ? Reproduire des familles dans des maisons témoins près de la ville où vous avez grandi ? Aucune idée. Et cette photo, qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir signifier ? Que cette famille, c'est la vôtre ? C'est possible. Vous devez aimer ce genre de baraque, vous. Tout est propre, tout est neuf. En travaillant sur cette affaire, vous allez sans doute découvrir des choses sur moi. Sur ma famille, sur mon passé. J'ai besoin qu'une certaine confiance s'installe entre nous. Vous comprenez ? Ceux qui font ça sont cachés quelque part dans ton passé. Comment on s'organise ? J'ai pas été clair ? Je réponds à toutes vos questions. Je vous accompagne sur le terrain s'il le faut, mais je ne redeviens pas flic. Je pense qu'il sait qui lui a tiré dessus tout à l'heure. Oui, je pense même qu'il a une idée de ce qui se passe dans ces baraques. Voilà. Et qu'est-ce qui te fait dire ça ? Mon intime conviction. Mais enfin, arrête, tu vois bien qu'il dit pas tout, qu'il nous cache des choses. C'est à lui que vous pensez depuis le début, c'est ça ? C'est à lui que je pense. C'est qui ce type ? Un loup parmi les loups. Paul, il ira jusqu'au bout, vous comprenez ça ? Que là, il est plus fort que nous tous ? Son plan, il y pense depuis des années, il sait ce qu'il a fait hier, ce qu'il fera aujourd'hui, ce qu'il fera demain. Personne n'est à l'abri, ni vous, ni votre fils, ni moi. Il ira jusqu'au bout pour se venger. Paul, que les fantômes sont de retour.